Les baobabs disséminés dans les champs et les pâturages autour de Morondava offrent un spectacle grandiose. Ce paysage évoquerait presque un écosystème intact. Mais l'équilibre est rompu. Le baobab a un concurrent redoutable. Le riz. Il n'a pas plu depuis des mois. L'eau se fait rare. Et le riz est très gourmand en eau. Pour beaucoup de paysans malgaches, la riziculture constitue une importante source de revenus. Ces arbres immenses qui engloutissent des milliers de litres d'eau sont leur bête noire, car ils menacent leurs emplois. Autour de cette petite allée bordée de baobabs s'étendait autrefois une forêt entière. Des milliers d'arbres ont été sacrifiés au profit de la culture du riz. Seulement 300 ont été épargnés et ils font désormais l'objet de tous les soins.